like for you to be my girlfriend. Oh my God. I can't be your girlfriend now. For me, it's too quick. We will see. We will see, but it's too much quick for me. Yes, so sorry. Ultimately, I decided not to propose to Michaela because I didn't want to just pop the question, will you marry me? I want to test the waters a little bit. I want to ask her to be my girlfriend and then kind of just go on from there. But I'm shocked that she said no. And I feel I've read her wrong. Recalé, zéro. Le gars est choqué. Le gars, il comprend pas. Il se dit, c'est bizarre ça. Je pensais que ça aurait été plus facile. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc, quand j'ai vu cette vidéo, je me dis, bah, c'est parfait. Comme ça, ça permettra de te parler de ce qu'il faut que tu saches quand même avant de prendre ton passeport et de commencer à voyager. Dont le concept de Passport Bro. Okay, Passport Bro, petit rappel rapide pour ceux qui savent pas c'est quoi. Passport Bro, en gros, c'est des gars qui vont dans un autre pays pour pouvoir trouver leur femme. Voilà. Parce qu'ils estiment que les femmes de leur pays sont trop masculines, sont des féministes et qui ne veulent pas dealer avec ça. Ok, c'est un peu le concept quand même. Et du coup, je pense que je suis bien placé pour pouvoir en parler parce que même sans savoir qu'il y avait ce sorte de mouvement Passport Bro, j'avais déjà commencé à voyager. J'ai été dans différents pays parce que bon, les gars, il y en a, ils parlent de ça, mais ils n'ont jamais été. Toi, ton gars, il parle de choses qu'il connaît. Hein, j'aime connaître un sujet quand j'en parle. Hein, je lis des livres en général sur le sujet, je veux me former. Et puis après, j'applique sur le terrain, je vais sur le terrain. Donc, ton gars, tu sais déjà, il a été au Brésil, Thaïlande, Colombie, Paraguay, Mexique. Bon, j'ai fait différents pays, donc je sais de quoi je parle. Je n'ai pas connu le marché du dating seulement à Miami, sans vouloir tirer sur personne. Et du coup, fort de mon expérience, je vais te dire ce qu'il faut que tu saches quand même avant de partir là-bas. Parce que je pense qu'il y a plein d'idées conçues qui sont complètement fausses, comme d'habitude, sur tous les sujets. Premièrement, ton niveau sur le marché du célibat ne va pas bouger tant que ça quand tu vas aller dans un autre pays. Alors, je sais que ça paraît normalement logique, tu te dis, attends, si jamais je change de marché, je devrais être mieux noté ou avoir plus de puissance, plus de valeur sur ce marché-là. Ben non, pas plus que ça en fait. C'est pas genre tu vas arriver, comme tu changes de marché, tu as un 5 et genre tu vas déter un 10. Si tu as un 5, par exemple en France, quand tu vas aller, je sais pas moi, au Brésil, encore Brésil, bon, c'est pas le meilleur exemple, mais si tu vas, je sais pas moi, en Thaïlande ou en Colombie, si tu vas, t'as un 5, tu vas en Colombie, tu vas jamais de la vie, tu vas déter un 10. Alors tu vas me dire, ouais, mais attends, mais si je gagne plus d'argent, etc. Oui, mais l'argent, c'est juste un critère. L'argent ne fait pas tout, loin de là. Il y a des gars qui gèrent des meufs, ils ont pas d'argent. Leur seul problème à ces gars-là, c'est juste que sur le long terme, ils auront du mal à garder la meuf parce que la meuf va se dire il n'est pas ambitieux, il ne veut pas faire d'argent et à un moment donné, elle va partir. Mais il faut arrêter de faire une fixation sur l'argent. C'est un critère important, mais c'est pas ça qui va te permettre de gérer plus de meufs. Parce que ce qui va se passer, c'est par exemple, si je reste sur la Colombie, si tu as de l'argent mais tu n'as rien d'autre, eh ben, elles vont juste prendre ton argent et tu vas rien voir. Elles vont juste utiliser pour la seule chose que tu as en fait finalement. Alors après, il peut y avoir des subtilités. Si jamais par exemple tu es le seul Renoir dans la ville, tu auras plus d'options. Et même ça, c'est pas genre tu vas passer, tu as un 5 et tu vas dater des 10. Okay? À la limite, allez, dans certains des cas, peut-être tu vas prendre un point. Tu vois, tu as un 5, allez, tu peux peut-être passer sur un 6. Mais en aucun cas, genre dans ton pays, tu ne dates pas des bombasses. Genre, tu vas dater une bombasse, genre une 10 dans un autre pays. Ça n'existe pas. Alors après, il y a des gens qui vont interpréter la beauté de manière différente parce que comme c'est une beauté qui est différente, je sais pas, la beauté latine, elle est différente de la beauté européenne. Donc, si jamais toi, tu kiffes tellement la beauté latine, même un 5 dans ta tête, c'est peut-être un 7, tu vois. Mais en vérité, ça reste quand même un 5 ou un 6, tu vois. Donc moi, ce que j'observais, c'est que tu dates à peu près le même niveau de femmes que tu as l'habitude de dater dans les autres pays, sauf que peut-être tu auras plus d'options. Ça veut dire que si tu as l'habitude de dater, par exemple, des 6,
tu auras encore plus accès à D6. Voilà, moi, c'est ce que je vois de mon expérience, de ce que j'ai observé. Mais c'est pas genre, allez, je prends un exemple extrême, tu n'as pas d'oseille, tu es obèse, tu vis chez tes parents et tu as économisé un petit peu, tu es parti dans un pays, tu es parti en Colombie et tu crois que tu vas arriver, tu vas gérer des meufs, mais tu vas rien gérer du tout. Même un 5, tu vas rien faire. Je sais parce que j'ai vu des gars. J'ai vu des gars, à chaque fois je croisais, parce qu'au début, je me disais, ouais, ça se passe bien comme en Colombie et tout. Et après, quand j'ai croisé d'autres Américains, j'ai vu comment ils faisaient, comment ils... et les résultats qu'ils avaient, chaque fois, les gars, ils galèrent, quoi. Parce que les gars, ils sont venus, ils ont vu des vidéos sur Internet où d'autres Américains ont fait genre, ça se passait bien, alors qu'en vérité, c'était des meufs qui payaient. Donc, eux, ils se sont dit, ils sont venus, ça doit bien se passer. Ils sont arrivés, non. C'est pas passé comme ils pensaient. Surtout qu'en plus, les meufs, elles savent que les gars, ils viennent pour ça. Donc, si t'es juste en vacances, parce que les gars, ils ont pas de game en plus. Donc, pff, bon, bref. Les meufs, elles sont pas teubées. Hein. Si elles voient que tu viens là, t'as aucune ambition de te poser avec elles ou un truc comme ça, elles vont même pas te calculer. Ça, c'est du bon sens. Ou si elles savent que t'es en vacances une semaine, elles vont même pas te calculer, en fait. Et donc, du coup, ces gars-là, après, ils attirent des prostituées, tout simplement. Et après, ils font des vidéos sur YouTube. Et après, ils mettent une douille aux autres gars, tu vois. Deuxième chose aussi que je voulais aborder, la nature féminine, elle est partout pareille. J'ai fait tous les pays, partout pareil. Que ça soit même en Thaïlande, qui est une culture complètement différente, que ce soit en Colombie, Paraguay, Canada, États-Unis, France, la nature féminine est tout le temps pareille. Qu'elle soit plus féminine ou moins féminine, ou qu'elle ait plein de diplômes, ou qu'elle gagne beaucoup d'argent, ou moins d'argent, qu'elle soit architecte ou pas, la nature féminine reste la même. Si tu ne la connais pas, tu es cuit. D'ailleurs, tu as juste le secret de la nature féminine en description. Et comme ton gars là qu'on a vu en début de vidéo, lui, c'est sûr qu'il a zéro game. Et là, tu veux devenir ma girlfriend, il fait un rire bêta comme ça. C'est... Ah. Non, tu vois. Donc, on voit qu'il a zéro game. Et en plus, la meuf avec qui il a demandé ça, c'est même pas une meuf qui doit crouler sous les dossiers. Hein, elle a quand même déjà un certain âge. Voilà. Et malgré ça, il n'arrive même pas à gérer ça. Pourquoi? Parce que le gars, il a fait aucun effort avant de partir. Ce qui m'emmène au troisième point dont je voulais te parler, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de raccourci au charbonnage. Ça aussi, c'est un leurre. Je sais que j'ai déjà parlé avec des potes à moi, ils pensent que genre, si tu as confiance en toi, tu peux gérer n'importe quelle meuf. Enfin, je ne sais pas d'où sort cette rumeur, d'où sort cette légende. Tu as beau avoir toute la confiance en toi que tu veux, s'il y a un gars qui a plus travaillé sur lui, il va toujours te mettre en PLS. Attends, la meuf, elle n'est pas aveugle. Alors oui, c'est bien d'avoir de la confiance, d'avoir travaillé sur sa confiance. C'est un critère, c'est comme l'argent, c'est un critère. Mais si jamais le reste, ça ne suit pas, tu auras beau avoir toute la confiance que tu veux, la meuf ne va pas te calculer. Donc avant de partir comme ça dans un autre pays, en pensant que l'herbe elle est plus verte ailleurs, il faut que tu travailles sur toi avant de partir. Les classiques, faire de l'oseille, avoir ton business en ligne, c'est le top, c'est le mieux. Hein, clairement, comme ça te permet d'être libre géographiquement. Donc pendant que tu es en train de charbonner pour pouvoir aller au step encore plus élevé si tu veux, au moins tu es déjà indépendant financièrement, tu es libre géographiquement, tu peux voyager où tu veux. Et si tu arrives dans un pays, la meuf elle sait que tu as un business en ligne, que tu peux rester sur place au cas où, si jamais tu veux faire une famille avec elle, etc., te poser avec elle. Ben voilà, là tu commences à être sérieux. Tu travailles sur toi, tu as le six-pack, tu travailles sur ton charisme. Tout ça, c'est du travail à faire. Et en plus, ça dépend après des cultures. Par exemple, si je reviens sur la Colombie, les meufs, elles sont très physiques, tu vois. Et elles aiment que les gars s'habillent bien. Les Colombiens, ils sont frais. Hein. Ils sont là, tatouages, ils sont super bien habillés. C'est des Maluma, les gars. Hein. D'ailleurs, Maluma, je crois qu'il vient de Medellín, en plus. Après, dans d'autres pays, c'est différent. Je sais qu'au Brésil, j'ai pas eu ce retour-là. En Thaïlande non plus. En Roumanie non plus. Bon, après, ça dépend dans chaque pays dans lequel tu vas, tu vois, après tu te renseignes, tu vois par rapport à la culture, tu vois. Mais si tu n'as pas travaillé sur toi avant d'y aller, si tu n'as pas les basiques sur comment attirer une femme, donc avoir du game, connaître la nature féminine, c'est mort. La nature féminine reste la même partout. Les femmes sont attirées par les mêmes choses, quel que soit le pays où tu vas aller. Et il faut que tu travailles sur tous les points. Parce que tu peux être un gars qui est frais en photo, mais quand la femme, alors au début, quand elle te voit en photo, elle dit « Ah, j'aime bien, il est bien et tout. » Et après, quand elle va te voir en vrai, elle ne va plus être attirée ou elle va être déçue. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne vas pas être aligné entre qui tu es réellement et la manière dont tu te comportes. Je suis sûr que tu as déjà entendu des filles qui disent « Ouais, ah, ce gars-là, je l'aimais trop bien en photo et quand je l'ai vu en vrai, ah, je sais pas, j'ai pas aimé. J'étais plus attiré. » Parce que les gars ne sont pas conscients de leur vraie valeur sur le marché. Et donc, du coup, leur mindset, leur manière de penser, et donc, du coup, leur action, leur habitude
leur manière d'interagir avec la femme n'est pas alignée avec qui ils sont réellement. Et ça, elles perdent l'attraction directe. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pareil pour l'argent. Elle te perçoit comme un alpha et puis le moment où elle te parle, elle s'aperçoit que tu n'en es pas un. Je me rappellerai toujours le gars que j'avais croisé dans un des hôtels. Ça, c'était en Colombie. J'ai déjà partagé cette anecdote dans d'autres vidéos. Mais si tu ne l'as jamais entendu, il faut que tu l'entendes. Je me rappelle, le gars, voilà, il est arrivé, il a commencé à dater une Colombienne et tout. Il a commencé à me dire, ouais, je suis arrivé, je lui ai dit, ouais, regarde. Il dit, de toute façon, c'est que de l'argent qu'elles veulent, les meufs, c'est que de l'argent. Là. Non, les gars, ils sont fous que ça, c'est. Non, c'est pas vrai, ça. Les meufs ne veulent pas que de l'argent, c'est pas vrai. Okay? Sinon, il n'y aura pas de michto. Justement, si tu penses comme ça, votre michto, parce que tu n'as pas compris que non, c'est pas que l'argent. C'est quand tu as compris qu'il n'y a pas que l'argent, ben, tu travailles sur les autres points. Okay? Non, les meufs, elles veulent tout. Voilà, elles veulent le package complet, si elles peuvent. Okay? Donc, le gars, ce qu'il fait, c'est que genre, je crois qu'il lui a montré son compte en banque ou un truc comme ça. Il a dit, est-ce que ça te suffit pour pouvoir être bien? J'ai dit, mais attends, mais c'est. Même si la meuf a été intéressée par toi, quand tu as fait ça, tu as juste tué le truc en fait. Tu lui as montré que tu es incapable de pouvoir gérer une meuf sans argent, donc tu veux l'idée avec ton argent, ou tu lui as montré que tu n'as pas l'habitude de dater des meufs comme elle. Donc, dans tous les cas, elle va perdre l'attraction, mais c'est sûr, 100% garantie, elle va prendre ton argent puisque c'est ce que tu lui donnes. Elle est pas, pourquoi elle ne prendrait pas ton argent, tu es en train de lui donner. Donc elle va prendre et puis ce sera fini. Et quand il me disait ça, dans sa tête, c'était un bonhomme. Je dis, ouais, de toute façon, on connaît, nous, les meufs, elles veulent que de l'argent, de toute façon, donc ah, ça sert à rien de faire semblant. Non, gars, mais à ce moment-là, prends une prostituée, alors. Enfin, tu veux que je veux dire, quoi ça sert, en fait? Prends une meuf, il y en a plein, des meufs comme ça, là. Tu prends, tu l'entretiens, et puis voilà, ça fait genre comme si t'es sa meuf, et puis en même temps, elle a différents gars, et puis voilà, différents gars qui l'entretiennent, et puis voilà, à ce moment-là. Mais une meuf normale, tu viens, tu sors ton truc, tu dis machin, mais. Tu viens juste de tuer ta relation. Zéro game. Et c'est marrant parce que ça, c'est des gars qui vont penser dans leur tête qu'ils sont red pill. Dans leur tête, ils se disent, je sais. Donc finalement, tout ça pour te dire que si tu vas dans un mindset genre en mode c'est plus facile, tu vas avec le mauvais mindset. Alors après, il y a des subtilités dans ce que je dis. Tu vois. Si jamais tu as travaillé sur toi, tu as déjà un certain succès où tu es, par exemple, si tu vas au Brésil, parce que ça dépend après des pays, tu vas au Brésil, les meufs font moins de chiche. Voilà. Les meufs font moins de chichi, il y aura moins de game. Si la meuf elle te kiffe, il n'y aura pas de chichi. Il n'y a pas besoin de l'emmener dans un restaurant. Comme aux États-Unis, j'avais vu une vidéo où les meufs elles disent ouais, il faut qu'on aille au restaurant le premier date ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Tu n'auras pas besoin de ça. Tu vas à Starbucks et ça y est, c'est bon. Si elle t'a kiffé, ça va vite. C'est connu, voilà, je te confirme. En tout cas, je suis sur le terre-terre, je ne te dis pas des trucs que j'ai entendu sur Internet. C'est réel. Okay? Si la meuf elle te kiffe, ça va très vite. Si même tu prends trop de temps, elle ne va pas comprendre. J'ai un gars qui m'avait raconté une de ses expériences. Il m'a dit, quand j'ai pris trop de temps, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne te plais pas. Donc, c'est un autre délire. Mais ça, c'est pareil, ça marche quand même si jamais tu as travaillé sur toi. C'est juste que tu seras encore plus dans l'abondance pour le cas, de, par exemple, du Brésil. Maintenant, si tu pars dans le mindset, genre, ce sera très bien pour moi parce que ça me permet de dealer avec moins de bullshit avec les meufs en Occident. Ça permettra de trouver des femmes qui sont féminines, qui sont agréables, qui ne sont pas en mode boss babe. Ça permettra d'avoir encore plus d'abondance de ce que j'ai vu. Okay? Si jamais tu arrives déjà à gérer des meufs là où tu es. Okay? Et après, ça, aussi, ça dépend des pays. Ou si jamais tu aimes par exemple des beautés exotiques qui sont plutôt rares dans ton pays. Tu vois, si tu aimes une Thaïlandaise ou les beautés latines ou les femmes de Europe de l'Est, hein, donc Ukraine. Russie, bon, ben, si t'aimes ça, ce sera quand même mieux d'aller carrément sur place, j'ai envie de te dire. Et puis après, il y a aussi le coût de la vie, donc forcément, les dettes vont te revenir moins chères. Si tu as ton business en ligne, par exemple, ben, c'est vraiment parfait, tu vois. C'est vraiment parfait. Et si tu envisages aussi de te poser et d'avoir une famille, ben, c'est vrai que là, bon, ben, de base, même si elles vont quand même play, hein, par exemple, après, ça dépend des pays. Colombie, les meufs, elles play. Okay? C'est comme en France. Il y a déjà des gars, ils sont allés dans le restaurant, la meuf elle est jamais venue. Ça c'est, enfin, y a rien de. Ça play pratiquement comme aux States en Colombie. Maintenant, dans d'autres pays, un peu moins, tu vois. Mais il y a toujours un peu de play. La nature féminine reste la même, ok. Mais d'une manière générale, une fois que la meuf elle te kiffe et tout, bah, elle sera féminine, elle sera générale traditionnelle, ok. Et tu pourras te poser avec elle si jamais tu le souhaites, tu vois. Et évidemment, tu ne fais pas l'erreur de prendre ta femme que tu as connue, je ne sais pas moi, en Thaïlande et après la ramener dans ton pays. Non, les passeports bro, normalement, le principe, c'est qu'ils se marient avec la meuf et ils restent dans le pays de là où est la meuf. D'où pourquoi tu as besoin de ton business en ligne.
Et ça, je suis là pour t'aider. T'as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, à moins de créer un acte. Regarde quand même. Parce que de toute façon, si tu fais rien, il ne va rien se passer. Hein. Beau essayer de gratter un peu tout ce qui est gratuit et tout, pour pouvoir essayer de s'en sortir, ça ne fonctionne pas, les gars. Bon, ça, c'est que ça, c'est gratuit. Ça te met déjà dans le bas. Mais si tu veux aller plus loin et vraiment passer à l'action et changer ta vie, pour dans les 3, 4, 5 prochaines années, et pour pouvoir être capable de faire les passeports bro, mais pas genre partir en vacances une semaine et revenir et dire ah ouais, c'était trop bien. Non, que genre tu sois capable de venir dans un pays, regarder, ah c'est pas mal ici, boum, changer, ah j'aime bien. Voilà, mais ça les gars, ça demande du travail. Il n'y a pas de raccourci au charbonnage, ok? Si tu veux passer par moi, t'as Zion, tu regardes, je t'explique tout dans la description. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous, je suis à ton camp.